Et yo tout le monde, c'est Pataraigné, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans. Et aujourd'hui, on va tester les potions. Donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup avancé. Que ce soit niveau trophée ou amélioration. J'ai amélioré pas mal mes remparts, mes troupes et tout. Donc en fait, bon, ça fait pas longtemps que j'avais découvert ça. Mais il y a des potions et j'en ai vraiment beaucoup. Et en fait, j'avais oublié. Du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool, une vidéo et tout. Donc, c'est parti. Donc, on va utiliser la potion de foule, là, je sais pas ce que c'est. Et la potion de héros. En fait, ça booste. La potion de foule, là, elle booste les troupes. Et la potion d'héros, bah, les héros. Donc, voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On va attaquer. Oula. Son décor, il est trop stylé. Ah, ça c'est un faible. Ça c'est pour moi. Donc là je fais toujours ça pour savoir s'il y a des renforts ou pas. Là, non. Après ça là, la machine c'est trop cheaté, c'est un truc de fou. J'ai pas encore débloqué. Je crois que c'est HDV... Non, 12. HDV 12 qu'on débloque ça. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais bon, c'est trop cheaté. Surtout la bûche là. Regardez le boulot que ça fait. Et aussi, je voulais vous parler d'un truc. Quand je sors cette vidéo, là, dimanche, en ce moment, je suis à La Réunion. Et ouais. En fait, je suis parti samedi. Samedi à 14h. Pour prendre le vol de 17h. Donc j'ai fait un vol de nuit et je suis arrivé le dimanche matin. Là, quand la vidéo sort, je suis à La Réunion en ce moment. Et donc je vais vlog du coup, avec ma GoPro, mon tel et tout. Je vais vlog toute cette aventure, on va dire. Et je vais faire, je pense, 2-3 épisodes, voire 4, mais bon. Je sais pas, je verrai en fait. Je vais faire des épisodes comme le vlog du ski là. Et en fait j'ai le seum parce que je pense vous l'avez vu, Inox Tag, il est parti à La Réunion la semaine dernière et est rentré lundi. Et en fait il serait resté une semaine de plus, j'aurais pu le voir. Parce que moi les vacances, comme je suis à Paris, c'est bah, vendredi, c'est du vendredi soir jusque, attends je vais vous dire les dates, c'est 22 mai. Non, 22 avril jusqu'au 4. Non. Oh, je me perds. Bon, ça dure 2 semaines. Logique. Voilà, c'est du 22 avril au 10 mai, je crois. Ou 9 mai. Ouais, 9 mai. Bon, en vrai, je parle, mais on a fait 100%. Je pense on va en refaire une. Donc ouais, je disais, je vais faire 2-3 épisodes. Donc on a fait des tests PCR là pour savoir si on peut y aller. Moi c'est bon, je suis négatif. Et mon père aussi. Donc il reste le reste de la famille. Parce qu'on va partir tous ensemble quand même. What? PK niveau 16? Sorcière de la nuit niveau 16. Et regardez la machine là. Enfin le pas le héros. Ah si, c'est un héros. Il est level 10. Ah ouais, en fait ça double. Mais level 16 du coup c'est le max. Waouh, c'est trop stylé. What the fuck. Les PK ils sont violets. Truc de fou. Bon, je continue du coup. Donc là, je pars à La Réunion pendant la première semaine des vacances. Et après, la deuxième semaine, le mercredi 4 mai, je pars au parc Astérix. Donc je vais vous log aussi la journée. Bon, je sais pas quand elle sortira, mais
sortir après les vlogs de la réunion. Donc voilà quoi. J'espère que ça vous plaira, ce petit voyage à la réunion. Je vais essayer de filmer un max de trucs. Et on a prévu un petit programme tous ensemble. Vraiment, ça va être génial. Soyez à l'affût. Je vous ai dit qu'il y aurait des trucs de fou. Hein. Je sais plus quelle vidéo je l'avais dit. J'avais dit ouais, il y a des trucs de fou qui arrivent et tout. Il y a eu Puy du Fou. Là, Réunion. Après Astérix. Je vais faire des vues avec ça. Mettez des likes. Faut que ça reste dans l'histoire de YouTube. Bon, bref, je m'écarte un peu de la vidéo. Non mais je voulais vous dire ça, vous prévenir quoi. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que moi ça me plaît. Bon, j'essaie d'avoir l'hôtel de ville mais c'est compliqué. Ce foutu mortier de je pense que je vais l'avoir. Hein. Et regardez l'invisibilité de l'archère. Oh bah ça y est, on l'a pris. Attends, je vais la mettre où là? Regardez. Ça dure 10 secondes. C'est énorme. 62%. Pas mal. Yes, on a gagné. Ça c'est bien. On va retourner dans le principal. Dans le village principal et on va faire la deuxième attaque. Hein. Yes, j'ai eu des boulistes. Bon, je fabrique des troupes pour les donner au clan. Parce que moi, je suis un bon. Bon, allez, c'est parti. Ouj. Scuso. Trop stylé, son truc. Non. Y mettez-moi un faible. C'est quoi ça? Ah, y a vraiment des villages. Mama. Non, trop compliqué. Ah, pas mal lui. J'aime bien les HDV9. En fait, tu vois, les HDV9, ils ont pas de T2. C'est à partir du 10. Et moi, bah, un peu mon point faible, c'est les T2. Parce que comme j'aime bien les PK, les ballons et tout, ça peut être problématique, on va dire. Oh, les héros, level 31. PK level 6, ballon level 6. En fait, ça fait x2, je pense. Attends, mais PK, à la base, ils sont level 5 ou 4. Moi, je sais plus. Et les PK, ils sont incroyablement forts. Vraiment. Après, c'est pour ça aussi que j'ai des sorts de gel. Pour reset les TDE, là, pour les geler. Il y a les renforts aussi. Je trouve ça trop chiant. T'attaques et tout. Là, il te sort un dragon électrique ou masse ballon. Oh, t'es mal. Hein. Vraiment, c'est une torture. Après, t'es content d'avoir des renforts, quand même. J'avoue, là... Ça, je pense que ça va partir sur 100%. Hein. Je suis bien parti là. HDV qui est pris. Deuxième étoile. C'est carré. Il me reste beaucoup de troupes. Au pire, j'ai les renforts. Mais je veux pas trop les utiliser parce que bah, je les garde pour la défense de mon village. Ce serait cool de les conserver. Ouais, bon. Easy. Hein. Un village pris assez facilement.
pour ça que j'aime bien les HDV9. Ils sont faciles à prendre. Et en plus, on garde les renforts. C'est pas mal. Nous sommes à 2241 trophées. C'est pas mal. Je donnerai les renforts après. C'est pas fini. On va se refaire une attaque dans le village de nuit. Après, ça peut être bon. Vous, dans le village de nuit, vous dites maison des ouvriers, HDV ou MDO? Ça, c'est la classique. Quand il y a une bombe là, je fais toujours attention parce que je me suis fait avoir beaucoup de fois. Moi, personnellement, je dis MDO. Comme HDV, quoi. Pékin, il est baraque. Non, vraiment, il est énorme. Et l'explosion, elle fait tellement mal. Mais je pense qu'elle one-shot tout, hein. Sauf le MDO. Mais regardez le PK quand il va exploser. Ah non. Quoi? Il a rien fait du tout. Pourri en fait. Bizarre. Bon bah. Le MDO qui est pris. Aïe aïe, je sais pas si je vais faire 100%. Il y a encore mon héros là qui a envie. Ah si, il y a moyen. Ouais si, c'est bon. Large. J'ai encore 8 archères là. Large, c'est bon. Bon bah voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Pet Araignée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Pat Araignée. Et on se retrouve dans les vlogs de La Réunion. Allez, ciao.